quel est l'objet de votre visite en Guinée? Nous sommes arrivés en Guinée pour un certain nombre d'événements que la FIDH organise avec ses partenaires. Le premier événement, c'est la sortie d'un ouvrage collectif que la FIDH a initié avec le financement de l'Union européenne, avec RFI qui a coordonné, avec des défenseurs des droits de l'homme, des juristes, des historiens aussi et des journalistes, aussi bien guinéens que d'autres nationalités, pour essayer de jeter un regard sur l'histoire douloureuse de la Guinée. Et cet ouvrage est une contribution pour qu'on puisse commencer à parler ou à lire la page de l'histoire de la Guinée, pour que enfin l'ensemble des Guinéens et des Guinéennes puissent non seulement connaître leur histoire, mais également et surtout préparer l'avenir, se projeter dans l'avenir. Parce que nous ne voulons pas que nous soyons nostalgiques, mais également il ne faut pas que nous soyons amnésiques. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé, il faut qu'on comprenne pourquoi cela s'est passé, pour éviter la répétition. Comme on le dit de façon coutumière, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on connaît les causes, on peut les traiter pour éviter d'avoir les mêmes conséquences. Donc, ça c'est le premier objet. Le second, il s'agit de la commémoration, même si ce n'est pas totalement approprié, des événements du 28 septembre au stade du même en 2009. Ça fait 9 ans que ces douloureux événements se sont produits au stade. Plus de 150 morts, plus de 100 femmes violées, aussi bien au stade que dans d'autres lieux, mais dans les jours qui ont suivi le 28 septembre. Et nous, la FIDH, nous accompagnons les victimes en tant que partie civile auprès des juridictions guinéennes. Et donc, nous a semblé utile que cette date arrivant, que nous soyons là aux côtés des victimes pour nous souvenir, mais surtout demander que les procédures doivent enfin aboutir, que le procès doit s'ouvrir pour que la vérité judiciaire soit dite et que les victimes puissent être soulagées et certaines victimes ou certains parents des victimes puissent faire leur deuil et puis que les femmes qui sont meurtries dans les chairs puissent être réconfortées pour que la Guinée puisse continuer sa marche en avant. Donc ce sont les deux événements qui nous ont fait arriver aujourd'hui à Conakry. Maître Ndiaye, il est douloureux et je pense qu'à l'occasion de la dédicace de ce livre, vous êtes confronté à certaines situations. Comment vous percevez, si vous me permettez, la perception des Guinéens par rapport à ce livre signé FIDH RFI? Oui, je pense que de façon globale, les Guinéens ont compris que l'œuvre était importante d'abord parce que, d'abord dans le cadre de l'affermissement d'une nation, une nation a besoin de ce sentiment d'appartenance commune à un destin commun, d'appartenance commune à une histoire commune. Et la FIDH, de par l'accompagnement qu'elle fait depuis plusieurs années dans le cadre des procédures judiciaires relatives aux violences d'État, ce qui n'est pas l'apanage de la Guinée, au Mali, au Sénégal, tout ça, nous avons eu, la FIDH a eu cette politique en Centrafrique. Donc, a rassemblé beaucoup de documents, de témoignages, et la FIDH s'est dit qu'elle n'avait pas le droit de ne pas partager, de ne pas aider à une sorte de consensus, parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est que les Guinéens comprennent que l'histoire, on ne l'oublie pas, on ne peut pas l'effacer. Et un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas de mémoire. Donc, de façon modeste et en partenariat avec une radio comme la RFI qui fait un travail extrêmement important, avec des historiens guinéens, des acteurs militaires, la société civile guinéenne a essayé donc d'aider ou
de lancer en tout cas cet talent vers cette formatation de la nation guinéenne qui me paraît extrêmement importante et qui permettra évidemment, en se basant, en s'adossant sur ce legs historique, de pouvoir se projeter vers l'avenir. Et pour cela, comme l'a dit mon ami Moussa, il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas évidemment également être nostalgique, mais savoir qu'on ne peut pas effacer cette histoire. Il faut d'abord la connaître, la protéger et savoir discerner le mal, et à partir du génie créateur du Guinéen, essayer d'en tirer le meilleur profit. Et je pense que les Guinéens ont compris que ce n'est pas une réécriture de toute l'histoire, mais c'est ciblé. C'est une partie extrêmement importante de l'histoire guinéenne et qui a été simplement la plus tragique, la plus historique, et qui permettra d'aller vers une résilience et une sorte de croyance en soi, et surtout de savoir que de former un subconscient collectif qui permettra à l'avenir de ne plus revenir sur des événements, ou en tout cas d'avoir recours ou de créer les prémices ou les bases d'une telle situation. Vous, maître Idrissa, vous réconfortez ou qu'il y a eu au palais de Côte? Non, pas du tout dessus. À la vérité, nous avons souhaité ouvrir surtout le débat, parce que notre ouvrage ne vient pas clore le débat, au contraire, vient pour ouvrir le débat, susciter des réactions, permettre aux uns aux autres de dire et de savoir qu'il faut écrire l'histoire. Nous savions aussi que l'État, la population allait interpréter de façon diverse en fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce qu'on veut voir être. Et à la présentation de ce ouvrage, j'ai retenu une phrase du ministre Djabi Gassama qui disait que malheureusement, les Guinéens pensent ethnie, les Guinéens pensent parti politique avant de penser guinéen. Or, nous, notre approche, c'est d'amener les uns et les autres à penser. Ils ne vont pas se départir de leur ethnie, ni de leur parti politique, mais en pensant parti politique, en pensant ethnie, qu'on se rejoigne pour parler de la Guinée. Et donc, le débat suscité, de fois difficile, de fois violent, mais nous, ce que nous demandons simplement aux uns et aux autres, l'ouvrage, il est gratuit, en forme physique, mais il est également téléchargeable facilement et gratuitement sur le site, sur un site dédié. Donc, il faut que ces personnes puissent lire. Parce que, en se lisant, les personnes comprendront quelle a été la démarche de la FIDH accompagnée de RFI, qu'est-ce qui est effectivement dans l'ouvrage, et puis de porter leurs commentaires, peut-être de donner leurs témoignages aussi, pour que la vérité soit établie sur l'histoire de la Guinée. Pour nous, l'ouvrage n'est pas la vérité. L'ouvrage est la part de vérité de certaines personnes qui ont accepté de participer, qui ont accepté de témoigner. C'est quand tous les acteurs viendront confronter leur position, leur vécu, leur expérience, qu'on pourrait avoir l'histoire de la Guinée. Donc par-dessus, nous espérons surtout que le débat va se poursuivre et que les historiens vont écrire, vont se saisir pour que, enfin, en plus, écrire l'histoire de Guinée, et ça montre toute la vitalité de la société guinéenne. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cela puisse se faire en pensant uniquement à la Guinée, en pensant à la nation guinéenne, de sorte que l'ensemble des débats, l'ensemble des contributions puissent se faire dans l'optique de faire avancer la Guinée vers le développement social, vers le développement économique, mais surtout de la cohésion des filles et des filles de la Guinée. Ceux qui critiquent le fait que ce soit que des étrangers, notamment des Français, ne doivent pas venir nous enseigner notre histoire. Ils critiquent même la période de prise dans ce livre, évidemment sans le lire, hein. Ils ne parlent pas du contenu, mais de la forme, le fait de prendre de la décolonisation à 2009. Est-ce que vous comprenez ces genres de critiques? Oui, naturellement, nous savons que la fibre nationale ou nationaliste est très forte. Et tout le monde est attaché à ce qui est
ce qui lui est le plus cher, ce qu'il est, son histoire, son existence. Mais en fait, ce qui est important dans ce genre d'œuvre humaine, c'est surtout le détachement. Nous savons que, de par l'histoire, toutes les écritures qui ont été soit faites par des vainqueurs, ou soit par une partie d'acteurs qui ont voulu façonner l'histoire à leur manière. Mais si vous avez des amis, des professionnels, surtout la société civile, des militants de droits de l'homme, des historiens, qui essayent en collaboration évidemment avec tous les segments de la société de faire une écriture de cette nature, ça ne peut être que bénéfique parce qu'objective cette œuvre. Et je pense que l'important c'est de voir qu'est-ce qui est dedans. Est-ce qu'il s'est agi de façonner l'histoire de la Guinée d'une certaine façon? Parce qu'en initiant ce travail, on était conscient que toute falsification de l'histoire est vouée à l'échec. Donc, point de falsification, rien que la vérité. Et cette vérité, comme l'a dit mon confrère, est certes relative forcément, mais elle est importante et peut servir de base à une œuvre collective, à une mémoire collective, surtout que c'est des faits dont les témoins sont survivants. Comment pourrions-nous, sachant que des témoins sont là, dire des choses qui ne seraient pas conformes à la vérité? Donc je pense que si la sérénité revient, tout le monde saura que cette période qui a été visée, et comme nous l'avons dit, c'est bien ciblé les violences politiques dans l'histoire de la Guinée. Donc il ne s'agit pas de retracer toute l'histoire. Peut-être la confusion vient du fait qu'on a pensé, qu'on a voulu écrire toute l'histoire sociologique, démographique. Non, c'est une partie. Et je pense que la Guinée trouve aujourd'hui à les moins à partir de cet ouvrage, parce que c'est vrai que le tragique fait le peuple, forge la mémoire collective. À partir de cette œuvre, je pense qu'il y a des esquisses d'aller plus loin et de faire en sorte que la Guinée ait une mémoire collective qui soit la plus conforme et sur laquelle elle puisse, cette Guinée, s'adosser pour affronter les défis qui se posent aujourd'hui à sa société. Et un élément extrêmement important à travers le livre, j'ai appris, comme au Sénégal d'ailleurs, que toutes les archives aujourd'hui par rapport à cette Guinée post-indépendance au Sénégal se trouvent à Paris, à la bibliothèque de Paris. Comment alors exclure même ceux qui ne sont pas de la Guinée dans une perspective d'écriture de l'histoire? Donc il faut que nous soyons un peu conscients qu'il nous faut s'allier avec d'autres, d'autant plus que ce monde est devenu un monde planétaire. Il ne s'agit plus de vivre dans un fast food. L'essentiel, c'est que cette œuvre soit au bénéfice du peuple guinéen, de la nation guinéenne, et je pense que les Guinéens en tireront le meilleur profit. Au départ, l'intervention de la FIDH en Guinée, c'était principalement les événements du 28 septembre. Et nous avons accompagné et encadré les victimes à aller vers la justice. C'était même ma question, parce que le débat actuel se fait sur le régime Sékou Touré, la FIDH qui accompagne la Guinée dans un autre dossier. Comment vous percevez cette interprétation? C'est-à-dire que le livre couvre des indépendances à 2000 à 2009. Et aujourd'hui, tout le débat est concentré sur Sékou Touré. Comment vous percevez ça? Oui, je termine sur, et je vais vous répondre à cette question. C'est que lorsque nous sommes venus, nous sommes engagés, nous sommes rendus compte. Après, parce que les interpellations des uns et des autres. Pourquoi vous venez pour les événements seulement de 2009? Il y a 2007, il y a le Camboiro, etc., etc. Nous sommes dit, il sera difficile. À préciser que vous accompagnez aussi les victimes de 2010. De 2010 également, dont le procès c'est déjà ouvert. Et donc, nous nous sommes dit, on ne peut pas judiciariser tout. Mais au moins, il faut, si nous pouvons contribuer à faire en sorte qu'on puisse déjà commencer à parler de l'histoire de la Guinée, surtout des événements antérieurs à 2009, pour permettre quand même que de faire le catharsis des douleurs des uns et des autres. Et donc, c'est ce qui a fait germer l'histoire de cet ouvrage, dont les travaux ont duré un an et demi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'attention se focalise certainement uniquement et quasi exclusivement sur la période
Sékou Touré, parce que peut-être que au lancement de cet ouvrage également, des personnes qui ont vécu cette époque-là, des personnes qui ont, qui peut-être étaient dans la gestion des affaires de l'État de cette époque, ont pris la parole, peut-être des fois avec quelques petites violences. Et ça peut être compris également, ça peut être compris, parce que vous savez, il y a longtemps, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y avait pas un cadre, j'allais dire, où toutes les personnes pouvaient se trouver pour en parler, et ça fait que les uns et les autres se focalisent sur cette partie. C'est pourquoi j'invite à nouveau l'ensemble des Guinéens, des observateurs de la vie sociopolitique de la Guinée à lire l'ouvrage et ils comprendront que c'est un ouvrage qui essaie de traverser l'histoire de la Guinée et qu'on ne se focalise pas sur un seul point, mais qu'on essaie de contribuer à ce qu'on parle de l'ensemble des grandes douleurs vécues par les Guinéens. Et le débat pourrait être, j'allais dire, plus sain et que les uns et les autres pourraient facilement comprendre que la contribution que nous apportons n'est pas de juger la gouvernance Sékou Touré, parce qu'on entend dire que c'est la France qui veut faire le procès de Sékou Touré parce qu'il a dit non à la France en 58, à De Gaulle en 58, etc. etc. Non, cet ouvrage n'est pas ça, n'est pas que ça, n'est pas même ça. Cet ouvrage, c'est de jeter un regard et donc il faut lire. Il est vrai que peut-être lors des présentations, évidemment, on avait 1h30 pour faire la présentation du livre au Palais du Peuple. Il était difficile d'aller dans tous les détails et donc on a dû, en fonction des personnes qui ont participé, parler de certaines époques. Et donc, les gens se sont focalisés sur cette époque-là. Mais je les invite à lire. Notre contribution, c'est de faire toute l'histoire de la Guinée, en tout cas de contribuer à l'histoire de la Guinée, à ouvrir le débat sur l'histoire de la Guinée. Et comme je le répète à nouveau, cet ouvrage ne vient pas clore les débats, cet ouvrage ne vient pas clore la réflexion sur l'histoire de la Guinée. Au contraire, vient ouvrir et susciter que les uns et les autres apportent leur contribution. Vous l'avez 2009 et 2010, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau de ces deux dossiers? Il y a déjà pour les événements de 2010, on nous dira pourquoi commencer par 2010, 2009 et avant, mais c'est pour dire que c'est pas, il faut comprendre que les deux affaires ne sont pas de la même ampleur. Ne sont pas de la même ampleur. On sait que 2010, c'est le cortège donc, du président de la transition qui a reçu les jets de pierre. Et puis après, ça a rapproché d'autres personnes qui sont venues arrêter toutes les personnes qui étaient à cet endroit au moment où ils revenaient. Et cela ne veut pas dire que ces personnes étaient là même au moment où les événements se déroulaient. Ils ont été arrêtés et torturés. Donc c'est un événement qui est de plus petite ampleur que... tant qu'il n'y a pas eu de perte en vie. Oui. Et donc le procès... c'est ouvert, ça a été renvoyé. Le lundi dernier, donc le 24, le procès devait se poursuivre, mais avec l'invitation des magistrats, l'audience n'a pas pu se tenir, mais l'audience va reprendre dans les jours à venir. Et donc, cela, il y a également donc, les événements du 28 septembre, qui sont de plus grande ampleur et qui impliquent également des personnes diverses, des civils, des militaires, et également, et chacun le sait, le président, le chef de la junte militaire qui est au pouvoir, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et donc, ce procès, l'ampleur, la manière dont les choses sont passées, demandaient plus de recherches. Et donc, il y a eu une instruction, une information judiciaire qui a été ouverte. L'instruction a été faite, l'instruction a été clôturée, le dossier a été renvoyé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà quelques mois,
le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a mis en place un comité de pilotage qui est chargé de réfléchir sur la manière dont ce procès peut s'ouvrir, sur la manière dont ce procès peut se dérouler dans la sécurité, dans la sérénité, aussi bien pour les personnes poursuivies, pour les victimes, les témoins, que pour les magistrats. Et donc, là, aujourd'hui, nous sommes à ce stade et nous espérons que très très bientôt et très rapidement, que le procès pourra s'ouvrir pour qu'enfin, publiquement, puisque l'instruction s'était à huis clos, et pour que publiquement, ce débat, c'est le procès, l'histoire des événements du 28 septembre, l'histoire judiciaire, puisse s'ouvrir pour que les victimes puissent dire leur part de vérité, pour que les personnes qui sont accusées, qui sont présumées innocentes, qui sont présumées innocentes, puissent venir se défendre pour que la justice puisse trancher. Pour le moment, on n'a pas la date du procès, mais on espère que très rapidement cela se fera, puisque ça fera bientôt un an que l'instruction a été clôturée et que le dossier attend simplement d'être jugé. Est-ce que vous avez un message pour les résumer? Oui, je crois que quand il y a une ordonnance de renvoi, je pense que tout le monde doit être rassuré. Parce qu'il faut savoir qu'en matière... À un moment donné, le ministre donnait même des dates et s'engageait clairement. Aujourd'hui, on préfère choisir les termes bientôt, très rapidement. Oui, je pense que, comme il l'a dit, c'est un procès qui n'est pas du tout facile du point de vue logistique, du point de vue matériel, du point de vue sécuritaire. Il est important que toutes les conditions soient réunies avant que ce procès ne démarre. Et ça, nous faisons confiance aux autorités judiciaires guinéennes et politiques d'ailleurs, parce que sans la volonté politique, certainement on ne serait pas à ce niveau. Mais quand on a eu l'opportunité d'ouvrir une information, que les juges aient rassemblé des sarges, parce qu'il ne peut pas y avoir de renvoi sans sarges. Si les juges d'instruction ont estimé devoir renvoyer, c'est parce qu'ils ont réuni en eux-mêmes autour de leur information des sarges de nature à renvoyer ces personnes devant une juridiction de jugement et dire que cela aurait pu aboutir à une ordonnance de non-lieu. Et là, tout le monde saurait qu'il n'y aurait pas de procès. Mais dès lors qu'il y a renvoi, je pense que le reste, quel que soit l'écoulement du temps, que nous ne souhaitons pas long, parce que les victimes, comme l'a dit le professeur, s'impatientent. La victime, son traumatisme ne sera jamais exorcisé tant qu'elle ne saura pas la vérité. Et elle ne fera jamais son deuil tant qu'elle ne saura pas ce qui s'est passé. Donc il est important, au-delà de ces difficultés que nous avons dites, qu'il y ait célérité également dans la fixation de la date. C'est pourquoi notre visite est également l'occasion de sensibiliser davantage pour que cette date puisse se tenir dans les meilleurs délais, afin que cette page tragique, comme d'ailleurs toute la période que nous avons ciblée, de s'écouler. Et revenant sur votre question, je pense qu'il était important. L'AFIDH a compris que si les victimes de 2009-2010 ont eu la possibilité d'avoir un certain nombre d'accompagnements de fixation de leur mémoire, ça n'était pas le cas avec les victimes, par exemple, du camp de Guaro, du camp de Sécoupouré. Donc si nous avions simplement parlé de ces événements sans remonter jusqu'à ces événements de Sécoupouré, ça aurait été laisser une partie importante des victimes qui ont besoin également de savoir et surtout de pardonner. Et pour pardonner, il faut connaître la vérité. Et c'est pourquoi dans cette perspective de réconciliation nationale, quel que puisse être le débat, et le fait qu'on se focalise sur M. Sékou Touré me paraît également important, parce que c'est une figure emblématique. Au-delà du jugement de valeur qu'on peut faire sur sa gouvernance, au-delà de la Guinée, Sékou Touré à un certain moment a focalisé toute l'attention de l'Afrique occidentale. Donc de ce point de vue également, tout le monde a intérêt après que ce débat se soit estompé, qu'on sache réellement ce qui s'est passé pendant cette période et que ces victimes, ou ceux qui estiment avoir été victimes de cette période, puissent avoir également le cœur apaisé et faire le deuil. Donc à tout point de vue, je pense que nous sommes dans une perspective positive aujourd'hui. Et pour le procès, évidemment, notre voeu le plus cher, c'est que ces victimes puissent être entendues le plus rapidement, puissent être confrontées avec ce qu'ils considèrent comme leur bourreau,
et que ces victimes puissent effectivement faire le deuil comme elles le souhaitent. Mais est-ce que vous avez ici un message à leur endroit pour les rassurer en tant que vice-président de la FIDR? Je voudrais dire aux victimes que sans leur engagement, sans leur obstination, les événements du 28 septembre 2009 pourraient passer par quelques profils. Je suis avec Hassan Djoumandia, qui était avocat des victimes dans l'affaire Hissène. Il pourrait donner le témoignage et surtout l'importance de l'obstination des victimes. Et je voudrais leur dire que le temps de la justice peut paraître long. La justice peut paraître lente, mais la justice finira toujours par triompher. Si elle continue de conserver et de garder foi, si elle continue de se dire que la vérité doit être dite, nous serons toujours là, à leur côté, pour leur dire, pour les aider, les orienter, les conseiller et puis leur dire ce qui se passe, ce qui devrait se passer. Il faut que nous puissions continuer la mobilisation. Il faut que nous puissions continuer la vigilance pour que les autorités puissent nous entendre. Si nous baissons garde, le procès n'aura pas lieu. Nous devons rester éveillés, nous devons rester constants. Et que ce procès va se tenir. Nous comprenons leur douleur, nous comprenons leur impatience, nous comprenons également de fois leur inquiétude, leur angoisse et de fois même leur déception qui se disent mais il n'y a jamais eu de procès en Guinée. Or, nous voulons que par leur engagement, leur obstination, leur engagement full total, que enfin, ce mythe puisse être brisé et que en Guinée, les autorités puissent savoir, ceux qui détiennent une partie du pouvoir puissent savoir que le temps peut être lent, ça peut être difficile, lent, mais la justice finira toujours par rattraper et par l'engagement des victimes. Nous pourrons arriver à cela pour que plus jamais la Guinée ne puisse connaître un tel événement. Maître Ndiaye, il a participé au procès de Hissène Dinta. Oui, je pense que la FIDR a compris que l'action pénale, dans le cadre de cette protection, de cette promotion des droits humains, des droits fondamentaux, l'action pénale peut être une sorte de modélisation des angoisses sociales, de sublimation des psychotraumatismes. Et c'est dans cette perspective que, déjà avec le Tchad, nous savons que Hissène Habré a quitté le pouvoir en 90, il a régné de 82 à 90, mais dès qu'il a quitté le pouvoir, les victimes ont commencé à s'organiser. Ils ont dit, il faut que justice se fasse. Il faut qu'on comprenne pourquoi nous avons été victimes. Pourquoi autant d'atrocités, autant de tortures, autant d'extermination, autant de guerres fratricides entre ethnies. Et là, avec l'accompagnement des ONG comme la FIDH, Human Rights Watch, évidemment, le combat a été long. Mais si on est arrivé à ce résultat, comme l'a rappelé, ça, c'est grâce à l'obstination, la détermination des victimes, comme disait Chateaubriand, leur patience a été plus forte que leur dégoût. Et c'est peut-être l'exemple qu'on pourra donner aujourd'hui aux victimes guinéennes qui sont arrivées pratiquement à trois quarts du chemin. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Au départ, on se disait qu'il n'y aurait jamais information, il n'y aurait jamais une procédure judiciaire en Guinée. Et la Guinée a fait le pari de dire à la cour pénale, laissez-moi juger. Les faits se sont déroulés en Guinée, les victimes sont des Guinéennes, laissez-nous juger, nous avons la capacité, la volonté politique de juger. Et la FIDH et la cour pénale internationale a dit, d'accord, nous vous laissons juger, mais si vous ne jugez pas, nous allons nous approprier l'affaire. Et donc la Guinée a aujourd'hui accompli trois quarts du chemin et ça doit être un réconfort pour les victimes. Et ça doit également les pousser à persévérer, à dire que nous allons pousser davantage.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, le message, c'est qu'il faut tenir bon. Si les victimes de Sennapré ont tenu pendant presque 25 ans pour avoir ce procès, il doit pouvoir en être de même pour les victimes guinéennes, d'autant plus que c'est des consciences traumatisées, c'est des jeunes filles, des mamans qui ont été violentées, qui ont été violées. Les plaies sont très lourdes et on a besoin aujourd'hui que ces plaies se cicatrisent. Donc il est impératif qu'il y ait cette justice et c'est pourquoi le moment bien sûr est encore à la mobilisation et à faire en sorte que très rapidement qu'on aille vers l'ouverture de ce procès, surtout relativement aux événements du 28 septembre 2009. C'est la raison pour laquelle l'exemple qu'on peut tirer, si nous sommes arrivés à faire juger Sennapré, c'est grâce à cette volonté. Et aujourd'hui, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la collectivisation de l'action publique. Il ne s'agit plus de laisser l'action publique à un procureur de la République qui peut classer un dossier. Les victimes aujourd'hui ont les moyens, grâce à l'accompagnement des ONG de défense des droits de l'homme, de faire entendre leur voix, de faire en sorte que les procédures judiciaires se déclenchent. Et ça, c'est vraiment un acquis aujourd'hui qu'il faut mettre à l'actif, notamment de la FIDH, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, où la FIDH a accompagné les victimes, ici en Guinée. Et donc, c'est un combat extrêmement important et les victimes guinéennes doivent jouer pleinement leur partition. Je pense qu'il y a un grand espoir, mais une certaine opinion dans notre pays laisse croire que les autorités guinéennes ne vont pas accepter d'organiser ce procès avant la fin des législatives officiellement prévues en 2019. Cela veut dire que même après 2019, puisqu'on lève souvent la question d'instabilité à l'occasion du processus électoral pour dire que ça ne fait pas cohabiter, on suppose que ces autorités vont attendre encore la fin de la présidentielle qui est prévue en 2020 pour envisager réellement la tenue effective de ce procès. Est-ce que vous pensez que cet argument peut tenir devant les victimes, que cet argument peut tenir devant les organisations de défense des droits de l'homme et les avocats? Pour nous, premièrement, il faut déjà reconnaître que les procédures ont été ouvertes, que l'instruction a été faite, que, et comme Maître Hassan Diomandia le disait, les trois quarts du chemin ont été déjà parcourus. Et donc déjà, ça c'est un acquis qu'on ne peut plus effacer, qu'on ne peut pas mettre de côté. Il est vrai que les politiques peuvent avoir le calendrier que je ne connais pas. Il peut arriver que les autorités puissent penser à d'autres intérêts que celui des victimes, mais il appartient aussi bien à toutes les forces qui souhaitent que le cycle de l'impunité puisse s'arrêter. Il appartient aux victimes de rester constamment éveillés, de rester constamment vigilants. Et nous, avec nous, FIDH, avec, et quand je dis FIDH, permettez-moi de dire OGDH, de dire même droit pour tous, restez éveillés pour rappeler à chaque instant, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, aux autorités pour dire nous attendons, nous les regardons, parce que c'est eux qui sont chargés par le peuple guinéen d'assurer la sécurité, d'assurer la protection des Guinéens. Pour leur dire, nous sommes là, il faut que ça se tienne. Et nous, nous avons foi que ça va s'en tenir si nous sommes mobilisés, si nous sommes engagés, si nous ne bougeons pas, si nous sommes vigilants. Et c'est en cela que j'invite les victimes et nous-mêmes, les organisations de défense des droits de l'homme, à rester. Le calendrier, ça peut être ce que nous dit. Nous, on attend que les autorités se prononcent officiellement et nous appartiennent. Et encore, nous allons le demander aux autorités que très, très, très rapidement, et nous pensons objectivement que ce procès devrait pas aller au-delà de 2019. Il ne devrait pas aller au-delà de 2019. Nous pensons que, au plus tard en 2019, ce procès doit pouvoir s'ouvrir et que, enfin, le cycle de l'impunité puisse voir le feu. C'est cette foi qui nous amène à continuer à nous battre et nous allons dire que nous n'allons jamais nous fatiguer. Nous ne devons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous décourager, nous ne devons pas nous décourager et ensemble avec nous, nous allons pousser les murs
de réticence, nous allons pousser toute autre considération pour que seulement l'intérêt de la justice, qui n'est pas faite seulement pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on est au pouvoir, demain on peut être dans l'opposition, la vie est un cycle. Ce qu'on fait aujourd'hui, demain, d'autres pourront le faire pour nous. Et donc, notre engagement, notre détermination pour nous sera plus fort. Comme on le dit, si nous nous mobilisons, nous allons faire la force et la foi de place de montagne. Et nous sommes prêts à cet engagement. Ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui accompagnent les victimes et le collectif des avocats par rapport à la question c'est qu'on va prendre pour absolument à pied. Non, vous savez, il ne peut pas avoir d'incompréhension notable entre avocats et clients. Vous savez, dans cette histoire, il y a les victimes, il y a les parties civiles, qui sont les victimes et les organisations de défense des droits de l'homme, notamment la FIDH et le GDH. Et c'est les victimes qui sont parties au procès qui donnent mandat à des avocats pour les représenter. Et c'est une représentation donc, qui doit exprimer la volonté des victimes. C'est vrai que les avocats, ce sont des professionnels qui doivent agir conformément à leur serment, conformément aux règles de leur déontologie, conformément aux tests qu'ils agissent. Il peut arriver qu'à un moment donné, on peut ne pas avoir les mêmes perceptions, mais il est évident que le mandataire doit suivre donc, ce que le mandat veut. Et puis, c'est en cela que le mandat vaut. Puisque le mandat, on donne le mandat pour faire quelque chose. Il le fait, les avocats le font, et moi-même je suis avocat, les avocats le font au nom de leurs clients. Et donc, de fois par moment, il est vrai qu'il y a eu quelquefois des questions de perception, mais nous pensons que tout cela est derrière nous. Parce qu'à la vérité, nous avons tous compris que ce qui importe, ce n'est pas nos perceptions, mais c'est la justice qu'on veut voir se faire le plus tôt possible. Donc je pense que le plus dur est aujourd'hui derrière nous. Maintenant, pour nous, l'exigence de justice passe avant toute autre considération. Et le calendrier judiciaire ne peut pas être contingent du calendrier politique. Il ne serait pas acceptable aujourd'hui que pour des raisons purement politiques ou politiciennes, qu'on relègue au second plan ce procès. Et comme disait Hegel, que justice se fasse, sinon l'humanité périra. Il faut qu'on comprenne que cette dimension, cette exigence de justice, est une dimension extrêmement importante dans l'affermissement de la gouvernance démocratique et de la survie d'un peuple. Donc aujourd'hui, ce serait une erreur de dire qu'il faut mettre ce dossier de côté jusqu'à qu'on affronte telle élection, et ça, je pense que les victimes elles-mêmes ne l'accepteront pas, et nous-mêmes ne l'accepterons pas. C'est la raison pour laquelle je me joins à ça pour dire que la mobilisation, la vigilance doit toujours être de mise, malgré le fait qu'on ait cette ordonnance de renvoi, et que la volonté politique ne doit pas faillir également. Et ça, je pense que les autorités guinéennes doivent être conscientes que cette affaire est préoccupe aussi bien la société guinéenne que tous les hommes épris de paix, de justice et de liberté. Parce que nous-mêmes, c'est nous qui avions accueilli ces centaines de femmes à Dakar qui ont dû, malgré leurs séquelles, traverser la frontière pour venir se soigner, chercher des hôpitaux. Nous sommes conscients de ce traumatisme qui est toujours vivace dans les mémoires. Donc nous espérons que ces autorités, à travers notre présence d'aujourd'hui, ce livre que nous avons lancé et la commémoration de demain, ces autorités seront suffisamment sensibilisées pour ne pas mettre autre chose au devant qu'aujourd'hui l'exigence d'aller très rapidement vers l'ouverture de ce procès. Maître Traoré, il y a une autre réalité qui sème le doute dans la tête des personnes visées par les victimes occupent des postes stratégiques, les postes stratégiques au sommet de l'administration guinéenne. Sans aller contre la présomption d'innocence, parce qu'il faut indiquer également que ces personnes sont encore présumées innocentes jusqu'à ce que la justice puisse établir leur culpabilité, sans dénier cela, parce que nous sommes défenseurs des droits de l'homme, nous sommes respectueux également de cela, mais nous pensons que pour un procès serein, pour une justice sereine, ces personnes, les personnes qui occupent les hauts postes de responsabilité que les autorités
on puisse au moins les mettre en congé pendant cette période, pour que non seulement les victimes soient rassurées de ce, de l'engagement des autorités à voir que la justice se fasse, mais également pour que chacun puisse être serein, pour que la justice puisse être sereine pour faire son travail. Et donc, notre souhait le plus absolu, c'est que ce procès ne s'ouvre en laissant ces personnes qui occupent des hautes fonctions de responsabilité rester à leur poste. Et c'est un message que nous lançons aux autorités pour leur dire que de leur attitude, des actes qu'ils poseraient, va dépendre la perception des victimes de leur engagement véritable à voir justice se faire. Nous ne doutons pas de leur engagement, nous demandons que des éléments de preuve soient donnés, des gages publics soient donnés aux victimes, soient donnés aux Guinéens, que effectivement la justice guinéenne est prête. La justice, les autorités guinéennes sont prêtes pour que tout le monde puisse arriver à ce procès en étant sur un pied d'égalité, en n'ayant pas des autorités face à des victimes. Qu'il y ait des accusés, les victimes, le ministère public et le tribunal de façon équitable pour que la sérénité puisse régner pendant ce procès. Donc nous demandons que les personnes qui occupent de l'autre fonction, si elles-mêmes ne se mettent pas en congé, que les autorités guinéennes puissent les mettre en congé. Quitte éventuellement qu'ils puissent retrouver leur fonction si la justice venait à les déclarer non coupables. C'est ça aussi la justice, c'est ça aussi un procès qui doit être équitable, l'égalité des armes. Et surtout, dans cette affaire, la dimension psychologique est importante. La dimension psychologique est importante, et tant que les victimes verront ces personnes continuer d'avoir leur pouvoir, d'avoir leur autorité, d'avoir leur fonction, il peut y avoir une certaine déception, il peut y avoir une certaine inquiétude dans ce que nous faisons. L'appel que nous lançons officiellement, c'est que ces personnes puissent être mis en congé de leurs responsabilités avant l'ouverture du procès. Ce combat contre l'impunité serait vain si la qualité officielle pouvait être un obstacle quelconque. Et il est important aussi que les victimes et les témoins soient protégés. Et pour cela, et nous pensons que toutes les personnes mises en cause doivent se dévêtir de cette qualité officielle qui n'a pas pu être un obstacle, et c'est heureux que l'information est ratissée large. Maintenant, psychologiquement, les victimes ont besoin de savoir, de se retrouver devant des personnes qui sont des justiciables d'abord et non pas des officiels, quel que puisse être leur rang. Et c'est pourquoi je me joins à l'appel de tout ça. L'autorité politique, l'autorité militaire, les deux doivent aujourd'hui donner les gages d'un procès juste et équitable, d'un procès d'où ne sortira que la vérité des faits. Et qu'on sache que ce n'est pas un procès pour la vengeance, ce n'est pas un procès également pour humilier qui que ce soit, mais c'est un procès simplement pour la vérité des faits, pour la vérité historique et pour que les victimes sachent la vérité. Et je pense que si tout le monde est dans cette dynamique, je pense que nous pouvons aller vers un procès serein qui ne pourra être que bénéfique pour la nation guinéenne. Voilà, maître, depuis 2011, il y a eu assez de violences politiques dans notre pays. On parle de plus de 94 jeunes tués par balle lors des manifestations de l'opposition en Guinée. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question ou... Mais bien entendu, le propre des organisations de défense des droits de l'homme, c'est de documenter les violations des droits humains, et que ce soit le GDH et l'AFIDH, évidemment, tout ce qui se passe est aujourd'hui documenté, et que les personnes, en tout cas les autorités, qui sont aujourd'hui dépositaires de la force publique en Afrique de façon générale, doivent faire comprendre que tôt ou tard, ils seront rattrapés par leurs actes. Et c'est d'ailleurs le plus grand, la vertu de ce combat contre l'impunité, c'est de montrer que la règle de droit est suspendue à la tête de tout un chacun, que ce soit au niveau du plus faible, du plus vulnérable, de la personne la plus anonyme à la personne la plus officielle, qui soit au devant de la scène. Et
tout le monde doit savoir aujourd'hui que nous sommes à l'ère des autoroutes de l'information et que même les journalistes, la presse, vous détenez des archives, les images dont vous faites état sont aujourd'hui entre vos mains. Donc je pense qu'il y va de tout un chacun de savoir aujourd'hui que l'impunité est terminée et que cette impunité va être poussée jusqu'à ses derniers retranchements. Et c'est vrai qu'on ne peut pas évidemment engager tous les fronts en même temps, mais il est évident que même ces victimes post-2011 doivent aujourd'hui s'organiser et en plus de l'action des ONG et des défenses des droits de l'homme, évidemment, d'autres procès, d'autres plaintes pourront être mises en œuvre. Et je pense que si on est conscient aujourd'hui que l'impunité est terminée, je pense qu'on ira de plus en plus vers cette éradication de ce phénomène qui tend aujourd'hui à faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir utilisent souvent la force publique, soit pour accéder à d'autres sphères d'autorité ou à conserver leur poste, à savoir évidemment que ce ne sera plus productif aujourd'hui en Afrique. Et donc je vous confirme que la documentation continue et que le propre de ce combat, c'est que ce combat repose sur deux principes. D'abord l'imprescriptibilité, parce que c'est des crimes extrêmement graves, des crimes sexuels, des crimes de masse, évidemment, qui ne peuvent pas souffrir de la prescription, et également de ce qu'on appelle la compétence universelle. Où que vous soyez, cette justice va vous atteindre. Et si on est conscient de cela, je pense que de plus en plus, on ira vers un consensus entre administrés et citoyens, de manière à ce que nous soyons dans une société paisible qui repose uniquement sur le respect des droits fondamentaux de la personne. C'est quand